Lelei, ma bichette. Ça va mon frère, c'est The Twin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve avec mon chasseur à la tour pour une petite vidéo opening. Voilà, pour une petite vidéo opening. Je sais que vous les aimez beaucoup ces vidéos là. Moi, franchement, j'aime les faire. Ça me fait kiffer en fait, de comment dire, de garder tous les colis et en fait, tu sais, pas les ouvrir au fur et à mesure en fait, parce que t'as vraiment envie de les ouvrir. Et le fait de les garder, d'avoir en masse, bah moi ça, je sais pas, ça me fait kiffer en fait de, t'sais, d'en ouvrir Valta. Désolé les gars, parce que la fenêtre elle est ouverte. Vous allez sûrement entendre des petits travaux, des voitures passer. Parce que franchement il fait une chaleur les gars, laisse tomber, c'est horrible. Voilà, bref, on va arrêter de discuter 3 heures. J'espère que tu vas bien. On y va. On va ouvrir tout ce que j'ai. Je suis blindé, on va pas vous mentir. Hein, tu vois, alors je suis blindé. À la base, je voulais me faire un full, full nouvelle monarchie. Mais vas-y ma biche, laisse tomber 25 colis, je suis déjà range pas combien. Ah là là, ça va être trop long. Donc j'ai un peu tout, tu vois. Donc on va d'abord ouvrir ceux de l'épreuve. Attends, on va voir ce que j'ai looté. Une cape. Ah, l'artiste la cape en plus. Un casque, un casque. Une jambe. Ah, je crois qu'en fait, à la place des éloges, t'as que des particules maintenant. Pour ce qui est avant-garde et regarde. Ah, c'était sûr. Donc je sais pas combien de casques. Ok, donc on verra tout ça après par la fin. Hein. Par la fin. Magnifique ce que je raconte. 200 grammes légendaires. Ouais, j'ai envie de vous dire, moi, le cryptarque, les gars, on a vraiment. Voilà quoi. C'est le cryptarque quoi. Je vais même pas m'attarder dessus. Voilà. Ah, il y a du légendaire quand même. Hein. Une belle petite cape. Je sais pas de. Oh, ça va, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal, elle est pas mal. Ah, j'en ai encore un à force d'avoir ouvert le cryptarque. C'est cool ça. Je suis blindé dans le gramme, donc on va y décrypter ça. On va y décrypter ça maintenant. On va décrypter tout ça maintenant. Je voulais vous dire, ouais, vous avez vu le bordel qu'il y a sur Destiny, les gars, quand même. La mise à jour qui va avoir de foulée, que le gala qui va être baissé apparemment, les exotiques qui vont être baissés, tout ça. Moi, on m'a demandé de faire une vidéo là-dessus. Les gars, moi, ça fait 3-4 jours que je joue pas. Je vais pas vous mentir, si vous avez vu l'activité que j'ai sur la chaîne. À part mes loups en nuit noir, je vous ai rien posté pendant 3 jours, donc j'étais pas là, j'étais me baigner, j'étais machin, j'étais profiter des potes. Ah, c'était les vacances, tu vois, c'est les vacances. Donc je suis sorti avec la chaleur qu'il y a dehors. Donc j'étais vraiment hors du game, tu vois, je veux dire, que ce soit la console, soit les gars de la team, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit vraiment tout. Et hier, quand je me suis connecté, j'ai regardé un peu sur YouTube, sur machin, tout ce qui va, les nouveaux trucs, quoi, sur Bungie, machin, nani. Et il y avoir une mise à jour de fou, mec, ma biche, mais c'est quoi le délire là? Attends, on va ouvrir ça direct. Ok, ok, on va aller récupérer tout ça. Il va avoir une mise à jour de fou. Non, c'est un bordel sur Destiny ce qui va se passer. On m'a demandé de faire une vidéo là-dessus. Oh, y a une personne qui m'a demandé. Hein. Je vais pas vous le cacher, hein. Pas vous dire que y a, voilà, les gens qui m'ont demandé. Il y a qu'une seule personne qui m'a demandé de faire une vidéo là-dessus. Pour l'instant, je peux pas vous la faire, les gars, parce que j'ai juste jeté un petit coup d'œil. Tu vois ce que je veux dire? J'ai juste jeté un petit coup d'œil sur ce qu'il allait avoir, sur tout ça. Donc j'ai pas envie de me. Ah, j'ai eu deux capes. Deux capes différentes. On pose dans le coffre, on va aller chercher l'autre. Titan, je m'en tape. Comment dire? Ouais, j'ai pas. Tu vois, ça, j'ai vu vite fait. J'ai pas vraiment trop de. Comment dire? Trop de choses à dire, quoi. J'ai pas vraiment trop regardé ce qui allait se passer. J'ai juste vu vite fait. Arca, Arca. Donc, je peux pas me lancer dans une vidéo où je vais sûrement te raconter de la merde en étant honnête avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si vraiment vous voulez vraiment que je fasse une vidéo sur cette putain de mise à jour qui a l'air. Je vais me faire tirer sur le doigt, ce que je veux dire. Qui a l'air bien sans être bien. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo, je m'expliquerai là-dessus. Mais si vous voulez que je fasse une vidéo, voilà quoi, dites-le moi par commentaire. Moi j'irai bien me renseigner, j'irai bien jeter tout ce qui va se passer, tout ce qui va être changé. Et je vous ferai une vidéo propre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tout le temps moi je vous dis c'est pas un taf YouTube, moi c'est au freestyle. Ouais, parce que je commente, j'ai rien de spécial à te dire. Tu vois ce que je veux dire? Je te raconte de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Je te fais rigoler, on rigole ensemble, on passe un bon moment. Je te raconte ma vie, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il n'y a pas vraiment de sujet concret sur le jeu, tu vois, sur le game. Là aujourd'hui, vous me demandez de faire une vidéo assez particulière. Donc, si vraiment vous voulez que je vous fasse cette vidéo là, je vous le ferai. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Mais je vous ferai un truc plus travaillé, tu vois ce que je veux dire? Donc, j'irai me renseigner, j'irai voir sur les sites, j'irai machin, j'irai faire tu vois, des scrims, des conneries. Tu vois, j'irai faire un bon truc, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un minimum, tu vois, que je raconte pas de la merde. Attends que je récupère un peu tout ça. Sinon, j'ai envie de te dire, même si je raconte de la merde, je m'en tape. J'ai une communauté, elle est excellente. La tête d'homme. D'ailleurs, je voulais vous le dire, je voulais profiter pour cette vidéo, les gars.
Ah, je vous kiffe, la tête de moi. C'est pourquoi j'ai posté une vidéo sur. Elle a fait très peu de vues. Hein. Donc, la plupart qui vont voir cette vue l'ont même pas vu. Ça même pas de quoi je parle, ça se trouve. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait une vidéo sur FF10 remasterisé. Bon, elle a pas fait v'là les vues ni rien. Je m'en bats les steaks de ça. Tu vois ce que je veux dire? Je m'attendais pas à qu'elle ait v'là les likes ni rien. C'était juste pour faire partager une petite cinématique. C'était plus pour les anciens, en fait, qui connaissaient le jeu à l'ancienne, qui s'étaient butés et voilà, leur rappeler des petits souvenirs, machin, nanani. Et sur cette vidéo-là, j'ai vu que ça avait commenté et que les gens parlaient entre eux, machin, toi communiquer entre eux. Non, franchement, ça m'a fait plaisir, tu vois ce que je veux dire? Ça partageait ses avis, tout ça, machin. Je suis en train de vous raconter ma vie, en même temps, je me balade de supprimer les merdes que j'ai eues. Donc, intelligence, force, que de fois que ce soit aussi, que ce soit pas des gardiens, non, c'est pour PVP. PVE. Donc tu vois, donc j'étais super surpris, j'étais super content. Donc voilà, je voulais vous remercier là-dessus. Je trouve que j'ai une super bonne communauté et franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre quoi. Franchement, je vous kiffe les gars sincèrement et puis voilà, je voulais vous le dire. Et même tu vois, parce que tu sais, je guette un peu YouTube, machin, mes collègues, mes machins. Et je guette un peu les commentaires, moi tout ça, et bah, si tu me suis depuis le début, ce qui m'intéresse d'ailleurs, je suis avec un abonné, les gars, je l'ai pas dit, c'est Commandant 9. Je vais même pas diffuser une vidéo parce que Commandant 8, je suis un ouf. Je vais pas diffuser une vidéo parce que il pouvait pas parler ni rien, donc je l'ai muté. Donc je suis en train de faire une vidéo, ma biche, donc je te kiss. On va donc j'étais en train de jouer avec un abo à moi. Comment dire, il est en train de péter un plomb, je dis qu'est-ce qu'il se fait cet enfoiré? Qu'est-ce qu'il est en train de faire cet enculé? J'ai même pas prévu, j'ai même pas envoyé de message, je suis parti en freestyle comme ça, j'ai vu que les colis étaient pleins, boum, c'est parti, tu vois, je viens juste d'avoir mon dernier colis, regarde, guette. La preuve que je te raconte pas de la merde, tu vois. J'ai validé tous mes contrats de l'avant-garde. Et boum, ça m'a fait 900 et des brouettes. Tu vois. Donc, qu'est-ce que je disais? Que je me perds pas dans ce que je disais. Je disais, ouais, par rapport à vous, les gars. Même la fois, j'ai posté une vidéo, tu sais, sur le contrat de Petra. Donc, je parle vite fait, je raconte ça. Après, on va ouvrir ça, comme ça, on va voir mes réactions live, tout ça. Si je loue des bons trucs de la nouvelle monarchie. J'avais fait une petite erreur en fait sur la vidéo parce qu'il était quand je l'ai faite, je venais de me réveiller ma biche tête dans le cul machin, je vais pas te mentir, j'étais avec Nixon, il m'a dit viens c'est par là machin. En fait j'avais dit que c'était dans la côte oubliée, tu vois ce que je veux dire, le comment on appelle ça, la cible à éliminer pour Petra. Mais en fait non, il y a une petite zone qui s'appelle la grotte, tu vois, d'ailleurs, et que j'ai complètement pas vu dans le gameplay, complètement pas, je savais même pas qu'elle existait, j'avais jamais fait dire remarquer qu'il y avait une zone en fait, je croyais que ça appartenait à la côte oubliée. Et j'avais même pas remarqué quand j'avais fait le montage, le rendu, machin, rien du tout. Et pourtant, quand je fais mon rendu, je re-regarde la vidéo pour voir si la vidéo elle est bien sortie, tu vois, du logiciel, tout ça, machin. J'avais rien remarqué. Et l'abonné m'a fait une petite remarque. Il m'a dit, ma biche, non, c'est pas dans la côte oubliée, machin, c'est dans la zone de la grotte, machin. Mais il m'a fait une remarque, comment dire, il m'a fait une remarque constructive. Tu vois, il est pas venu faire le gamin, t'es comme un con, machin, espèce de trou du cul, tu racontes de la merde. Tu vois ce que je veux dire, comme la plupart que je vois, toi, des trous de balles qui insultent, qui machin. Bah tu vois, il m'a fait une belle remarque et ça m'a fait plaisir. Voilà, ça m'a fait archi plaisir. Et c'était une remarque constructive et qui était bien écrite, bien dite, bien faite. Et ça m'a fait archi plaisir. Et je lui ai dit merci, je lui ai dit ouais, GG ma biche, j'avais pas remarqué, j'ai juste remarqué. Et puis voilà, tu vois, voilà la fin. Après il m'a dit GG, m'a quand même une belle vidéo, tout ça. Toi, une belle communauté, et franchement ça me fait kiffer, tout simplement. Ah oui, d'ailleurs, j'en profite les gars, vite fait après on reprend l'opening. La vidéo FAQ va arriver début de semaine les gars, donc je vous mettrai dans l'outro, où je vous mettrai tout simplement de suite maintenant une petite scratch, j'étais en train de bafouiller, une petite annotation qui t'emmènera directement sur la vidéo FAQ où je disais, j'annonçais qu'il allait avoir une FAQ machin, donc je te mettrai le lien de la description si tu veux aller la regarder, ou si tu veux tout simplement aller me mettre des questions sur les commentaires, ou tu peux tout simplement me mettre des questions si ça t'intéresse de savoir un peu ma petite live sur cette vidéo là avec le hashtag FAQ machin, que ça c'est à peu près de quoi on parle, tu vois ce que je veux dire. Et puis voilà, des questions sur ma vie, des questions personnelles, des questions sur le game, des questions sur l'avenir de la chaîne, voilà. Fais-toi plaisir, c'est ma première FAQ. C'est pour mes 1000 abonnés. Le montage, les gars, j'ai parlé avec le mec. Je lui ai envoyé quelques gameplays. On va se renvoyer tout ça. Vous inquiétez pas, il arrive. Et puis voilà, tout simplement. Voilà, j'avais ça à vous dire. Donc, on va continuer dans le petit délire de opening. Ah ouais, fallait que je décrypte ça. Merde, j'avais complètement zappé. Donc, j'aurais dû raconter ma vie en décryptant cette merde en fait. Putain de merde, j'ai complètement zappé. Je suis vraiment un con, les gars. Désolé. Attends, on va poser des petits torses déjà. Non mais attends, on verra après, parce que je pense que je vais avoir des engrammes. Je suis là, je fais une vidéo de 1 heure, tout le temps je vais faire une vidéo de 5 minutes. Laisse tomber, bon, un petit vaisseau serait bien les mecs. De la merde. De la merde. De la merde, même pas une couleur ni rien, t'abuses mon frère.
Deux fois le fusil d'assaut, vous avez vu, moi je suis vraiment, vraiment de la poisse. Mais non mon frère, passe-moi un petit vaisseau, une petite connerie, une petite couleur au moins minimum. Putain. Bon. Voilà. J'ai. De la merde. J'ai rien d'intéressant. Je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté, putain. Je m'attendais à avoir une petite couleur. Tu sais, une connerie, un petit vaisseau. Avec un peu de foufoune comme la dernière fois. Si j'aurais pu avoir un vaisseau, ça aurait été cool. Attends, parce qu'apparemment, j'ai parlé avec un mec, les gars. Et il y a un autre vaisseau en fait. Il n'y a pas que celui-ci. Il y a deux vaisseaux par faction. Donc si j'arrive, Théma, il est parti, commando, il a pété un plomb. Il dit putain, il se fout de ma gueule, je sais pas ce qu'il fout. Il est devenu full poteau. Attends, on va décrypter tout ça. Je vais juste poser ça, les gars. Je suis à nous faire galère, mais c'est pas grave. Vous avez l'habitude de toute façon avec mes vidéos. Hein, j'ai envie de vous dire. Bon. Donc, attends, on va récupérer ça. Là je vous dis, hein, déjà hein, vous attendez plus à voir mon chasseur pendant un petit moment. Parce que là je vais faire un truc avec mon chasseur, c'est pour ça que j'étais pressé de faire mon opening. Pour me vider tout ça. Attends, pour vider un peu tout ce que j'avais. Pompe automatique, ok, d'ici. Pompe éclaireur, c'est bon. Ça, putain j'ai le ok. Oula j'ai le ok, merde. Get, il me redonne deux fois le même et putain c'est un truc de ouf, sachant à croire qu'il est. À croire que c'est là l'automatique, ce truc de merde, putain. C'est quoi. Que des armes de merde, hein. Honnêtement. Bah au revoir toi. Toi aussi. J'ai pas de couleur, je suis dégoûté. Tenez, pour ceux qui voulaient savoir mes couleurs, les gars, peu papa. Il y a Amalté, celle-ci que j'ai. Et il y a Cléopâtre AK. C'est des couleurs de la nouvelle monarchie. Hein. Il y a celle-ci. C'est que du rouge et du blanc, de toute façon, les gars. Et celle-ci, tout simplement. Après, Dieu de la guerre, non, c'est pas une couleur de la nouvelle monarchie. Si je dis pas de bêtises. Donc, tout simplement. Donc, voilà. Une petite vidéo, je sais pas combien de temps elle aura duré, les gars. Hein. Honnêtement, je peux pas vous dire. J'espère qu'elle vous aura plu, les gars. Donc pensez à mettre un petit like si c'est le cas, à commenter, à partager, comme d'hab. D'ailleurs, non, je vous ferai une petite vidéo spéciale pour ça, une petite astuce pour monter son rang en maison des châtiments. Donc, ce qui appartient aussi à la prison des vétérans. Donc je vous ferai une petite vidéo spéciale pour ça. C'est une petite vidéo astuce, un petit truc, voilà. Donc moi je le savais pas, c'est un abonné qui me l'a fait découvrir. Donc je me dis peut-être que je suis pas le seul à savoir. Donc je vais vous le faire partager. Donc je ferai une petite vidéo là-dessus. Donc voilà. Donc j'espère que je vous ai tout dit. Et puis voilà. Vous inquiétez pas, j'oublierai pas de vous mettre au moment où je vous ai parlé de la vidéo. Le petit lien disant en vous amenant directement sur la vidéo FAQ quand j'annonçais la FAQ. Et puis voilà, et dans l'outro je vous mettrai une ancienne opening ou une petite connerie comme ça. Et puis voilà mes bichettes, je vous kiss, c'était The Twin, passez de bonnes vacances et kiss ma biche.